Alors, ce cri du zèbre. Alors, le cri du zèbre, je crois que c'est un spectacle assez formidable qui travaille plutôt sur le cri du zèbre. Ou du zèbre. Pas oui. Bobo, voilà, qui, ça c'est le petit zèbre, mais il y a aussi le grand zèbre hein, qui fait comme ça, qui fait quelque chose d'un petit peu plus guttural, j'ai envie de dire. Et en fait, ce spectacle, ça va être une manière d'aborder le zèbre à travers tous les pays. Oui, ça contourne le zèbre à l'état brut. Bien animal, zèbre, zébreux. Avec un Z. Oui, avec un Z. Comme Zazie. Comme Zeuzeu. Ou Zou. Zouzou. Zret, par exemple, le petit animal, le Zret. Voilà, je crois que. Oui, le petit zèbre, le Zret. Le Zret. Et pourquoi le cri? Parce que le cri a cette particularité, le cri du zèbre, c'est d'approfondir en fait l'âme du poète. Oui. C'est pas seulement une particularité, une authenticité. Voilà. Mmh. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Merci, Bamogo. À nous revoir. Ouais, ouais. Très intéressant en tout cas. Intéressant.